Yo, oui. Oui, on a fermé la boîte un peu plus tôt. Forcément, tu m'as loupé des justesses là. Par rapport à la procédure. D'accord. Non. Regarde, inscris-toi. Télécharge juste l'application 1xbet. Puis tu t'inscris avec le code promo CD237. Ça t'offre 200% de bonus lors de ton premier dépôt. Et avec ça, tu pourras faire tes placements facilement. Oui, vas-y. Fais ça. Télécharge la plateforme. Toi, tu verras. Ensemble, alors. Mais bébé, pourquoi tu ne peux pas télécharger? Non, mon cœur. Pas maintenant. J'ai à vous dire. Donne-moi d'abord un verre d'eau. À vous dire. Oui, ramène-moi d'abord un verre d'eau. Merci, mon cœur. Mais ouais, Brenda, depuis ça, il n'est pas sorti. Elle fait quoi? C'est pas vite, elle est dans la chambre. Brenda! Je suis déjà rentré, mon cœur. Quand tu es où? Qui, bébé, tu es là? Oui. Et bonne année, mon cœur. Merci, bébé. La journée a été. Ah, c'était là. Bon, je disais que moi, j'allais vous parler. Ok, il y a un problème, bébé. Non, il n'y a pas de problème. Ça, elle dit que j'allais vous parler. Pardon, dépose d'abord ton téléphone. Ouais, c'est bon. Dépose d'abord ton téléphone. La dernière fois, on a siégé avec vos parents. Oui. Par rapport au problème que nous connaissons tous ici. Vous m'avez demandé de prendre une croisière franc. Qu'est-ce que si je prenais en fait une croisière franc, ça ne devait pas vous déranger. C'est ça, non? C'est ça, non? Oui. Donc, après réflexion, moi j'ai décidé de prendre une croisière franc. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ah bon, hein? Hier, j'ai causé avec vos parents. Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. C'était qu'ils n'étaient pas très d'accord, mais au final, c'est entendu. Moi, je voulais juste vous dire qu'à compter de ce soir, vous allez accueillir votre co-épouse. Ouais, merci même de savoir que vous prenez bien la chose. Donc, il a finalement accepté d'être notre co-épouse. J'ai une autre chose à vous dire. Quoi? Ce n'est pas la fille de la dernière fois, là. Quoi? Ce n'est pas la fille de la dernière fois, comment? Oui, j'ai pris une autre femme. Tu as pris une autre femme comment? Ça sort. Qu'est-ce que ça sort d'où ça? Oh, c'est. Oh, Seigneur, comment? Non, avait choisi la notre co-épouser. Est-ce que c'est vous qui allez choisir ma femme? Non, avait choisi notre troisième femme. C'est vous qui allez choisir la femme avec la femme que moi je vais épouser. Personne n'a choisi quelque chose pour toi. Ah. Attends, donc tu nous crompais. Crompais à comment, bébé? Ce n'est pas elle comment, c'est elle que nous on veut. Tu parles de qui? Donc pendant qu'on t'a pas capable l'autre là, tu vois encore une autre pas. Je ne voyais personne. Moi j'ai décidé de prendre une nouvelle juge. Tu l'attends comment? Vous connaissez où? Ça a commencé comment? Vous n'avez même pas encore vu la personne. Pourquoi vous êtes déjà sur la défensive? C'est qui alors? Vous allez même poser la personne que moi je vais prendre. Donc tu nous crompes pas avec deux filles. Je ne crompais personne. Je pense que c'était deux. Peut-être que c'était même quatre. On a bien commencé ce débat. Quel bien commencé? Toi qui m'a mal fini. Dis que la fille, la dernière fois, j'ai voulu qu'elle revienne à la maison parce que voilà, c'est elle qu'on veut. Ce n'est pas elle que j'ai choisi comme troisième femme. Et je tenais à vous dire que la semaine passée, moi je me suis marié, j'ai signé les papiers avec la femme. J'ai signé l'acte. Tu es un bad boy. Non, ce n'est pas ça. Il fait à nous deux. Tu sais, moi, quand tu fais ça, une femme, deux femmes, trois femmes, puisque tu as signé l'acte derrière mon dos. C'est pas derrière, il dit. Bref, moi je voulais. Moi je voulais juste vous dire. Elle va rejoindre la maison dès ce soir. Tu me fais ça, c'est toujours parce que je n'accouche pas. Ça n'a rien à y voir. Et en partie aussi, ça compte. Ne te dérange pas. Tu es tout à coup pour que je prenne une troisième femme, non? Tu m'avoues, moi ça ne t'a jamais fait. Je
attendu 10 ans de mariage, ça prend que tu fais ça. Je parle pour les enfants, je touche pas pour les enfants. Si tu ne me donnes pas les enfants, tu veux qu'elle fasse quoi? Je pleure. Pourquoi tu me fais ça? Moi, je voulais juste vous dire que préparez-vous parce que dans quelques heures, votre co-épouse va rejoindre la maison. Donc, tu nous mets devant les faits accomplis. Ah, tu dis, c'est que moi, je ne sais pas les faits accomplis. Moi, je. Ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je voulais juste que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Et sachez que vous allez accueillir votre co-épouse ce soir. Ça ne va pas se passer comme ça. Que vous préparez. Vous dites que tu nous mets devant les faits accomplis. Donc, tu viens se rendre. Ça ne va pas se passer comme ça. J'ai causé avec vos parents. Quels parents? J'ai causé avec vos parents, ils sont d'accord. Tu t'es marié avec mes parents. J'ai causé avec vos parents. Tu vas voir ici. C'est ce que je voulais vous dire. Et il ne se dérange même pas, je pleure, il s'en fout. Je suis. Moi, je vous comprends, mais ça va passer. Tu nous comprends. Ça va passer. Donc, ce que vous demandez, c'est de bien vous comporter quand il va arriver ici. Là. C'est ça que moi je ne veux pas, s'il vous plaît. C'est ça que je ne veux pas. Tu ne veux pas faire. Non, toi tu vas nous dire. Non, on n'a pas. La dernière fois, on a causé avec parents. Moi, j'ai causé avec vos parents. Quel parent? Tu ne veux pas faire quelqu'un qui est bien dans la maison ici. Tu viens avec nos parents. Ce sont mes parents que tu as épousés. Votre co-épouse arrive ce soir. On va voir. De tout. Si tu es sage, dis à ta chose que tu as marié là, que l'enfer va commencer dans cette maison. C'est ça que moi je ne veux pas. C'est même pas là. Elle va vivre le calvaire de sa vie dans cette maison. Fais-moi confiance. En tout cas, fais-nous confiance. En tout cas, préparez-vous à Kimo. Ouais, papa, tu vas voir. Non, mais Soussou, tout le monde, tu vas voir avec tes yeux ce qu'elle va vivre ici. Je ne veux pas le désordre. C'est ça que moi je ne veux pas. Et si vous continuez, vous allez recouvrir le dehors. Tu vas recouvrir le dehors. C'est elle qui va recouvrir le dehors. N'importe quoi. Attends, mais. Je ne veux pas ça. Hein? En tout cas. Non, mais tu sais à qui tu as fait. C'est elle qui va recouvrir le dehors. C'est-à-dire que vous ne m'avez pas encore servi. Ça va? Quoi? Mon petit, je veux manger. Tu vas manger tes dents. Toi-même, tu sais où tu as mis ton pied. Appelle ta tante, elle est desservie. Brenda! Quoi? Brenda! C'est quoi? Pourquoi il n'y a pas mon repas sur la table? Hé! Quel repas? Ta troisième femme a eu beaucoup de nous à manger. J'ai les familles. Mais on a causé posément, non? S'il vous plaît, je vous demande encore pardon. Je vous demande encore pardon. Servez-moi, je veux manger, s'il vous plaît. Je dis que appelle ta troisième, elle vient te faire manger. Attends, non, c'est comme ça que vous allez vous comporter. C'est le début. Allez me servir, s'il vous plaît. Allez là, Zegui, tu conjures. Il est smart, il est beau. Il est très bien. Me voici qui sont en train d'aller récupérer votre co-épouse. Pardon. Tâchez de bien vous comporter. Pardon. Je vous demande pardon même seulement. Parce que le comportement que vous avez affiché après la nouvelle, moi, ça ne me plaît pas. Je ne veux pas ça. Comportez-vous bien. Voilà. Comportez-vous bien. Il ne veut pas, c'est. Il ne veut pas. Non, on attend la troisième femme. C'est comment? Pardon, comportez-vous bien.
Ingrid. Bombastic side eye. Tu penses? Ça c'est quoi ça? Rien c'est là. Faut te t'en regarder. Chai. Hey. For what? He shot you. On vous dit bonsoir non? C'est obligé de répondre. Qui a d'abord dit bonsoir? Pardon. Ça c'est quoi ça? Rien c'est là. Ingrid, je te présente Sarah. Sarah, je te présente Ingrid. Brenda, je te présente Ingrid, votre co-épouse. C'est avec elle dorénavant que vous allez cohabiter dans cette maison. Donc, il faut bien l'accueillir. Il y a des choses ici dehors. Hein? Ces filles-là sont des sauvages. Je t'avais déjà donné leur caractère. Ok. Donc, ne gère pas ça. Ma chérie, j'espère que tu sais où tu as mis ton pied. J'espère que ton mari t'a précisé qu'ici c'est l'enfer. Mesdames, je ne suis pas venue ici s'aimer la designer dans votre maison. Si vous n'avez pas pu contenir votre mari, ce n'est pas de ma faute. Alors, il a fait son choix. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à regagner la porte. Sur ce... Vive la polygamie! Vive la polygamie! Vive la polygamie! Et n'oubliez surtout pas de vous inscrire sur OneIsBet en utilisant mon code promo CD237 pour obtenir 200% de bonus lors de votre première recharge.